Ouais. Ah oui, Steve s'endormit à la fin de la dernière vidéo. Ça fait 2 jours là qu'il pionce. Ah, une vraie marmotte. Ah, je voulais pas le réveiller. Alors bonjour Steve. Bonjour. Alors là, j'ai préparé Bitman. T'es content? Ah bon? Ouais. Tu te rappelles pas, ça fait 2 jours qu'il dort là. Ah ouais. Alors la dernière fois, on avait fait du. C'était quoi déjà? Ah, ça fait tellement longtemps. Ah oui, du Bioshock. En attendant, Alexandrine, elle est morte de vieillesse, hein. Quoi? Tellement t'as dormi longtemps. En fait, moi, je suis juste un hologramme, bonjour. Eh, ça rebondit vite, hein. Je retire ce que j'ai dit, c'est une bête immonde qui pense qu'à tuer. Hein? Tu me dégoûtes. Tu t'en manges aussi, hein? Salut! Salut! Je suis l'infirmière. Je fais ça de droite. Le nouveau film de Quentin Tarantino. La salope. Le nouveau film de Steve Peeple. Il y a le journal, t'as le logo de... Attends, mais sur l'ordi, c'est pas mieux, j'ai l'impression, ça. Attends, les mecs, ils ont une image de toi sur le truc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas celle où du Hitman 2? Ouais. Qu'est-ce que ça fout, là? Easter egg. Pète l'ordi. Voilà, ils ont plus de preuves sur toi. Ben, comme je me faisais chier dans ma journée, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé dans une fête. Ben, j'ai pas été invité, ben, alors qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai tué tout le monde parce que je me suis pas fait inviter. Voilà. Le nouveau film de Steve Peeple. C'est nul, j'ai pas été invité à la fête. Prochainement au cinéma. Le mec, je pourrais l'étrangler. Ah, mais non! Vous n'avez rien vu. Lui s'est pris 2 pieds dans le cerveau, lui je crois qu'il est vraiment mort. Non mais... Tu vois, c'est sympa le clonage. Hein? Il a fumé sa dernière clope. Hein. Chauve-garde. Chauve-garde, parce que t'es chauve. Vous? Ah, d'accord. Comment ça, chauve-garde? Faut pas les chauve-garder. Faut toujours écouter le petit Maxime. Merde, mauvaise arme. Ils ont rien entendu. Voilà. Va au paradis, mon fils. Il dirait un spy. Tu sais les bruits qu'il faisait. Le mec il a rien entendu. Elle va vomir à travers ton masque. Ah là, C'est bon, je suis malade. Je vais vomir. Pénètre-le. Il est en position. Le cul de bois de ma vie. Je crois qu'il a un deuxième trou de balle. Ta-na-na-na. Oh, il a chien chargeur. Eh ben. Wow. Shoryuken. Non, tu l'as vu. Le cadavre se déplace tout seul. Oh mon dieu, Sarah Kane chante. Non madame. Ah non mon dieu. Pauvre Robert avec son... Mais... Ok.
Un cube vert. Ah. Mais attends quoi. Hey, il me fouille les couilles. Merde. Il y a que moi qui ai choqué aussi que le mec il tenait son truc comme ça. Bonjour. Non, en fait, je fais exprès l'analogue. Oh. C'est pas moi. Je suis agent 006. Je suis venu vous aider. Mais d'abord... Je me demande ce que ce sera le prochain Hitman, en tout cas. Hein. Il veut pas. Au bal masqué, ohé, ohé, au bal. Il dirait Cyclope, ouais. De Marvel. Alors toi, le roi des cuisiniers, ce sera moi. Ok, Taras, toi. Le roi des cuisiniers, ce sera moi. Oh mon dieu, j'ai si peur. C'est... Ça sonne tellement faux. Il croit. Non mais là c'est Astérix. Ah lui, mais alors moi je m'en branle. Ah non mais alors lui c'est... Je suis sur ma moto. Vroom vroom! Faites dodo. Tu vas faire un gros plan. Oh mon dieu, mon verre! Il est vide, mon verre! Vous allez bien? Vous allez bien? Oh mon dieu, mon verre! Le mec il va souvent te... Alors lui tu vas le buter. Attends, je continue à ta place. Excusez-moi, je suis aveugle. Et hop, ça fait un sushi. Ah pardon, je suis aveugle, je confonds le steak et l'humain. Les mecs en bas ils vont se dire c'est quoi ce bordel. Banzai. Vous n'avez rien vu, faites l'amour. Ah, attendez. Ne l'achève pas, elle mourra bien toute seule. Bon. Ah bah allez. Tu lui chies dessus, c'est bon, elle est mort. Faites-lui dessus, vas-y. Bah voilà. Il est mort. Fusion. Ils sont heureux. Voilà, comme ça, c'est un peu plus badass pour lui. 47. Pour cette mission, il s'est équipé d'un fusil d'assaut à des Desert Eagle et une seringue. C'est tellement faux. Hein. Ah là, ils ont même pas les bonnes infos. Hein. Salut, ça va? Il est vivant. Oh, il est vivant. Il coule comme le Titanic. Et il s'en va vers de meilleurs mondes. Il coule. Il coule. Il essaie de résister. Et... Bon. Attention, il y en a arrivé un autre. Fais gaffe. Elle regarde le truc aussi. Sauvegarde. Il y a des... Oh, je pense qu'il tenait un sniper. Ah, mais alors t'es bon, hein. Et ils savent pas tenir un Desert Eagle, hein. Putain, j'ai sauvé. Tu vas avoir un tas de munitions de Desert Eagle après. Ouais. Je pense que tu vas t'éclater, hein. Et toi avec ton flingue de demi-portion.
Eh, t'as tiré sur ton cadavre au vide. Il vise tellement mal que le mec il a réussi à toucher un truc au sol. Hein. Ah, il y a encore Roger qui arrive, toi. Il y a Rémi. Yamatale Noninaku. Oups, pardon. Oh merde, bâtard. Il a d'où, fait... d'où il sort, lui? Je sais pas. Il a fait la technique transposition super gravité qui a alourdi le couteau d'un coup. C'est vrai. Ouais. Il y en a encore qui dansent. Il y a une dame qui attend d'être poussée. Parce qu'elle a pas essayé le manège dans l'autre épisode. Donc là, elle attend. Voilà. Escrime. Toi, t'es plus mignonne que l'autre, du coup, toi mourir. Ellie, toi, mourir. Voilà. Toi, te garder en vie. Toi, bisous, toi, bébèze, toi, femme. Je tiens ta femme en otage. Si c'est ta femme, bien sûr. Ah, sa femme, c'est celle que t'as butée, mais chut. Je tiens ta sœur en otage. Non, je vous en prie. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. What? Et il y a des bugs là. Hein. Dans les couilles. Ah, bute-le là. Ah merde. Attends qu'il remonte. Et le mec, il a même pas essayé de te tirer dessus. Et là, il est en train de traverser le truc. Hein? Le mec t'étais en train de lui tirer dessus, il a même pas tiré. Voilà. Alors tu vas bouger ton cul, hein. Et grosse feignasse là. Tire sur la bagnole. Ringue. Merde. Regarde juste à l'arrière de la bagnole pour voir s'il y a quelque chose. Mon dieu, c'est même pas réaliste en fait, y a rien derrière. Et parce qu'on découvre dans la cinématique après qu'en fait il y a l'agent Smith derrière. Oh mon dieu, ils ont même pas pensé à le placer. Yes. Je t'attends. Viens, mon Smith. Réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Ouais, mais attends, qu'est-ce que... Tu vas te réveiller, ouais. C'est l'heure de déjeuner. C'est pas ça. Ok. Derrière un... Je me demande comment il fait pour le lancer, franchement. Vite. C'est là. Non, il est pas là. Alors, victime totale 95. Peut tirer 359. Encaissé 107, victime en combat rapproché 21, accident 1, tir en pleine tête 13, cadavre découvert 32, couverture perdue 4, témoin 23, fumé par une caméra, non. Voilà, alors beaucoup de violence, votre notoriété 42-600. Voilà, objectif, voilà. Commande endommagée, moins 85, récup du costume, moins 5000, récup d'armes personnalisées, moins 10 000. Et le journal. Vivons le retour du journal dans un Hitman. Hein. T'es d'accord avec moi? Ouais. Alors meurtrier Anthony Martinez retrouvé mort, la police pense qu'il s'agit d'un tueur à gages. Alors...
Zoom un peu plus quand même parce que sinon. Alors, la police de Las Vegas a confirmé ce matin que l'ancien agent de la CIA Anthony Martinez et sa maîtresse Vanna Kitling ont été tués hier soir dans un immeuble de bureau sur le strip. Monsieur Martinez m'a dévélé, victime d'une violente altercation qui a provoqué 91 morts, haute mort. 5 gardiens de nuit étaient parmi les victimes. Nous sommes payés pour surveiller pendant la nuit, pas pour être tués. Nous espérons que la police retrouvera le meurtrier. Ouais, bête, Noël, la chef. 59 passants innocents étaient aussi dans les autres victimes. 27 des professionnels de la sécurité pour Monsieur Martinez aussi étaient tués. La police ne donne pas priorité dans les enquêtes sur les armes là. Les enquêteurs signalent que, également que 359 coups de feu ont été tirés par l'assassin. Ah bah putain, ils ont bien compté. Ouais, à en juger par les traces de balles et les cartouches retrouvées sur le lieu du crime. Une comparaison des tirs et des blessures des victimes permet de supposer que le tueur est un individu sans véritable expérience maniant assez mal les armes à feu. Ah, je t'avais dit, ça jouait de buter la foule. Hein. Les résidents du quartier ont déclaré avoir entendu une succession de ce qu'ils pensaient être des coups de feu. Les enquêteurs ont découvert des balles de 7,62 mm sur les lieux, ce qui permet de penser qu'un fusil de précision, probablement de type Kazo-Ter-G, est peut-être l'arme du crime. Comme si t'avais utilisé que ça. Hein. Les autorités s'inquiètent du fait que 13 des victimes étaient brutalement exécutées d'un tir à la tête. 11 des victimes ont trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses. Les enquêteurs tentent actuellement de déterminer si la cause de cette mort était naturelle ou intentionnelle. La police de Las Vegas est en train d'interroger 23 témoins qui ont pu s'échapper. Certains témoins disent qu'avoir vu le coupable essayer de changer les pistes en changeant d'apparence. Voilà. La police recherche un jeune homme de type caucasien. Les témoins décrivent le tueur comme un homme assez beau et très élégant. Les enquêteurs décident de poursuivre dans tous les bars gays de la région. Et regarde alors la gueule que t'as d'après l'affiche. Ouais, c'est très ressemblant. Je pense que côté à la sens, t'as vraiment l'image de toi, non? Ah, t'as même une photo de la caméra dans... une caméra de surveillance. Mmh. Alors? C'est vrai que ça te ressemble, hein? Bon, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour d'autres aventures. En attendant, dis coin coin. Ça tient tout le monde.